Hello, what's up tout le monde, c'est Maxime à Twitch, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui... Putain, c'est de l'eau. Moi, j'avais jamais vu qu'elle était aussi bien faite. Enfin, elle est un peu bouillie par endroits, mais waouh. Avant elle était mal faite, hein. Un petit flash lumineux. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur la trahison des Templiers. Alors dans le dernier épisode, on avait fini les quêtes et on était venu jusqu'à ce petit village. Là, il est encore dans l'ombre, donc c'est tout mignon. Donc la minimap, je l'ai un peu zoomé parce que sinon on voyait un peu les bordures, on voyait à côté. Donc là, c'est plus rapproché et voilà. Alors, on va faire les quêtes secondaires, comme ça sera bon. Alors bonjour, pourriez-vous m'aider? En fait, j'ai besoin de fils pour remettre... ma tante au goût du jour. Si vous m'en récoltez sur des araignées... Ah, de fils, ok, de fil. Je vous offrirai une petite récompense. Allez m'en récolter 7 sur des araignées. Et... Attendez. Ah, en même temps, si je suis en paisible pour une autre map... Putain, mais l'eau, elle est super belle. Oh putain, j'avais... Il y a eu un truc là, qui a changé dans mes paramètres, un truc comme ça, parce qu'avant ça bougeait pas. Hein. Attendez. Hein. Ah, par contre j'ai pas de son. Par exemple si je prends le défaut. Ah, stylé. Voilà, l'eau est un peu trop transparente à mon goût, je pense. Ah mais c'est stylé, ça va. Bon alors je vais remettre le truc. Je fais une petite coupure pour avoir du son sur Minecraft. Voilà, à tout de suite. Voilà, je suis revenu. Il y a du son, c'est bon. Alors, ok, les fils d'araignée. Alors, 7 fils. On va refaire comme ça. Ça, c'est quoi? Bienvenue au croquement, on l'avait déjà lu. Bonjour, pourriez-vous me récolter un seau de lave dans la région? J'en ai besoin pour faire chauffer mes fours. Il y a un lac de lave pas loin du campement. Seau. Attendez, seau ça s'écrit. Oui. Ah ok. Seau de lave. Ok. Ah, je vais rezoomer ma map. C'est ça. C'était en deux fois. Voilà. Oula, oula. En ce moment, j'ai assez. J'ai beaucoup de bugs quand même. De graphique comme ça. Bah, c'est bizarre. Des fois, ça s'enlève et tout ça. Salut, je sais que t'es un aventurier. J'aurais besoin de ton aide. En fait, j'aimerais changer la couleur de ma tente en vert. Pour cela, il me faut du colorant. Si tu vas récolter quelques cactus, je te récompenserai. Va me récolter 9. Ce serait parfait. 9. Cactus. 9 cactus. D'accord. Ouais, je suis toujours émerveillé par la beauté des ombres et tout ça. Je cache un trésor en hein, blabla. Alors. X610 et Z1591. Ok, c'est juste ça. Il y a des flèches. D'accord. Par contre, quand on est en intérieur... Oh, putain, c'est super lumineux. Voilà. Quand on est en intérieur, c'est souvent très lumineux à l'extérieur. Donc, voilà. J'achèterai 4 lingots d'or quand je fais une vieille armure. Ah non, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ok, on a toutes les quêtes. Je vais aller prendre tout ça. Alors, non, je vais pas m'aider du truc comme ça pour voir... tous les trucs à faire. Oh, c'est moche comme ça. À cause des bugs. Oh là là. C'est super bugué, ça m'énerve. Attendez, j'ai essayé de faire une coupure, un truc comme ça. À part si ça s'arrête. Ça a l'air de s'arrêter. Il y a le lac de lave. Tata.
Bon, je vais faire une coupure, relancer Minecraft et le rouvrir pour voir. Voilà, j'ai relancé plusieurs fois Minecraft, j'espère que ça bug plus. Ah, il faut prendre les cactus, c'est vrai. Donc, celle-là, je vais la garder. Il en faut 9. Je vais en donner un peu plus. 12. Ok, ah, c'était 7 fils du coup. Faut des araignées. Mais où trouver des araignées? Pas des spawners par exemple, non. Je pensais que l'herbe comme ça bougeait aussi, mais bon, c'est pas grave. Bon, faudra sûrement attendre la nuit pour avoir les fils. C'est pas grave, je vais aller rendre les deux quêtes. Hop. Oh, ça fait toujours les bugs de trucs là, je suis deg. Ah oui, il faut aller chercher le trésor, hein, c'est vrai. Mais j'ai oublié, vu que je me suis déco-reco plusieurs fois, ça a enlevé mon chat. Voilà. Ah, lumière. Ça c'est chiant par contre. Ça c'était. Ah oui. Hop. Ça c'était les cactus. Des flèches, cool. De la pastèque. C'est la première que j'ai. Du lingot. Oh, derrière ça bug. Ça bug. Voilà. Ça c'était les fils. Ah non. Un seau de lave. Arnaque. Et ça c'était les fils par contre. Ouais, de fils. Hop. Je vais aller chercher, tant qu'il fait jour, le trésor. Ah, il n'y a plus besoin d'F3 déjà, c'est vrai. Alors c'est en 610. Ah, c'est par là. 1591. Ouais, c'est par là. C'est par là-bas, là, où on était tout à l'heure. Alors 610. Ah oui, je suis en train de me décaler. 1591. Alors, 91. 610. C'est dans l'eau. Ouais, cool. Lingot, pastèque. Et des flèches. Bug. Putain, mais c'est que. C'est chiant. J'ai mangé un bout. Hop. On retourne là-bas. Il va faire nuit. Je vais lire la note principale. J'aurais dû l'ouvrir d'abord. Mais bon, c'est pas très grave. Putain, j'avais pas vu qu'elle était refaite l'eau comme ça. Je sais pas comment. Enfin, pourquoi il y a quelques jours c'était pas fait comme ça. Mais bon. Ouais, c'est la première fois que je vois les trucs bouger et tout ça. Je croyais que c'était un autre shader pack, mais non. En fait, c'est celui que j'ai. C'est le normal, quoi. Campement du maire, donc. J'espère qu'il va pas me faire chier. Je vérifie qu'il n'y a pas de charbon, quoi. Alors, note principale 18. Paf, paf. C'est pas ça. Bureau, autre. Trahison des Templiers, on ne pense pas le 18. Tac. Je vérifie, oui c'est la 18. Alors, oh c'est vous, aventurier. Tous les villageois vous attendaient. Vous dites pouvoir aider? Eh bien votre aide serait très intéressante.
Autrefois, cette région n'était pas un désert, mais une région très forestière. Mais au fur et à mesure du temps, la zone s'est métamorphosée. C'est passé de région fleurie à désert en quelques années. Avec l'invasion de monstres, nous sommes encore plus faibles. Nous avons établi un campement à l'entrée de notre région. C'est le dernier point que nous tenons dans cette région. Notre temple a été envahi par les monstres, ainsi que nos pyramides. Ce serait par miracle si vous arriviez à reprendre tous ces points. Nous avons envoyé plusieurs troupes de soldats tenter de reprendre le temple, mais l'entrée était bloquée par de la magie, des portes magiques. Quand nos soldats se sont retrouvés dans cette impasse, les monstres en ont profité pour les attaquer par derrière. Nous ne sommes maintenant que très peu. Si les monstres se décident à envahir notre campement, une petite pause, soit nous mourrons, soit nous nous sauvons. On ne peut pas abandonner. Vu notre nombre réduit, nous n'avons pas pu tenter de reprendre les pyramides. Peut-être que vous pourriez essayer de les reprendre. Ouais, peut-être. Nous connaissons tous votre force extraordinaire par ici, aventurier. Nous ne doutons pas de vous pour vous confier des missions pareilles. Trois pyramides se trouvent dans cette région. Allez les reprendre chacune en détruisant toute trace de monstre. Je vous fais confiance. De plus, essayez de trouver quelques petites informations qui pourraient peut-être accéder, qui pourraient permettre d'accéder à la zone du temple. D'accord. Par contre, c'est une nuit noire. Peut-être que je vais désactiver ce shader pack pour la nuit. Ok, on va aller tuer les derniers. Oh. Non, ça va. Bon, finalement, c'est pas très sombre. Oula. Ah. Y a que des herbes, sérieux. Aïe. Y a pas eu de fil. Y a pas eu de fil. Oh là là, c'est chiant. Oh putain, deux araignées, pas de fil quoi. Quoi? Ah, un fil. Alors ça, je vais jeter. Je vais reprendre les fils. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monstres, je trouve. Hein. À part là. Allez, viens. Voilà, que toi. Ah, il y a un creeper derrière. Ok, ça c'est bon. Mon casque me fait super mal. Je l'avais mal mis. Il y en a pas beaucoup des araignées quand même. Dans le côté là. Non, toi tu viens pas me faire chier. Toi non plus. Ah voilà une araignée. Non, eh oh, tu montes pas. Hop. J'ai 4 fils, il en faut 7, il m'en manque 3. Il me faut plus d'araignées. Où êtes-vous? C'est bizarre, les slimes, on dirait qu'ils sont bloqués quand ils sont dans l'eau. Oh là là, les bugs, ça m'énerve. Je sais pas, depuis quelques temps là, ça fait ça. Je pensais que ça le faisait que 1.6, mais non, ça vient jusqu'à 1.5. Ah. Ah, par derrière et tout. Oula. Y a pas de toile, super. Toi, tu viens. Mais purée, allez, giver. Enfin, giver. Ah! Dropper. Table saute dessus. Hein. Oh, les yeux, je m'en fous. Aïe.
Fil. Ah ouais. Non, ça fait mal, ça, par contre. Aïe. Il y a plein de flèches par terre. Ah, il y a un temple, là, une pyramide. Elle est passée où, l'araignée qu'il y avait là? D'accord. Je crois qu'elle a despawn, en fait. Non, il va exploser mes trucs, non! La poudre à canon, elle est là toujours. J'en aurais eu assez. Aïe, pas dans la lave, c'est tout. Ah. Pas dans la lave toi non plus. Aïe. Putain, ça drop pas beaucoup. Là-bas, une araignée. On voit bien le changement entre le désert et tout ça. Il y a un Enderman et tout. Oui, c'est bon, j'en ai 7. Je me casse. Hop. On va éclairer un peu. Alors, Mr. Phil. Attends, ça c'est de la lumière quoi. Ah ben non, c'est pas ça, c'est là le fil. Oui, je me disais. Tiens, pour te prouver que j'ai vraiment tué les trucs. Tac, 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 tac. Et jambière, ouais. Je les mets de côté. Pour remplacer la mienne quand elle sera morte. LOL. Ouais bon. Je vais pas rester super longtemps, attendez. Ah, je vais pas faire ça. Ah, c'était pas zoomé depuis tout à l'heure, j'avais pas remarqué. Oh oh. Voilà, bon. Plein de bouffe. Ok, bon, on va aller... Ah bah tiens, il y a une pyramide, on va commencer par celle-là. Il y en a une qui s'est fait mal là-bas d'araignée dans des cactus. Hop. Non, ah... Hop. On va manger un bout. Et ça crame. Voilà. On va tuer tous ces trucs là parce que... Yeah, ouais, tu bugs. Ouais. Vite, il faut détruire. Ah, what? Ah, il est givé une carotte. Ah, putain. En fait, le orange, c'était pour dire qu'elle allait se casser. Levé du temple 3. Oh, c'était le temple 3. Ouais, bon. Il y a encore des spawners dans les côtés. Je sais pas s'ils en vendent une de pioche par contre. Hop. Sinon je détruis un arbre et puis je fais des bâtons et une pioche en bois. Faudrait essayer juste de trouver de la pierre. Je sais où il y en a dans les bordures. Je pense pas qu'ils vendent en fait. Ah oui, il faut aller au trésor après, c'est vrai. C'est bon, il est là.
Bon, je vais acheter ça. Je vais pas détruire les arbres dedans. Ah non, on y allait au... Ah mais allez. Voilà, donc on fait des planches. Non, pas toutes les planches. Voilà. Tac, on fait beaucoup de bâtons comme ça, on en a un petit peu. Faut juste une table de craft, voilà. Voilà. Un flash, ça fait mal. De la pierre. Ah, voilà. C'était beaucoup. Juste pour ça, quoi. Tiens, je te donne ça. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Le levier aussi. Par contre, je vais la reprendre au cas où s'il faudra que je recommence ce craft. Alors, ouais, c'est vrai, il fallait partir à l'aventure pour trouver les temples. Il y avait un temple par où? J'en avais vu un. Là-bas. Il est loin. Par contre, mon épée en fer va lâcher. Ok. C'est beau. Je vais la placer au milieu, comme ça, voilà. Ta 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 ta. Oh putain, il est en veille de l'eau. 4 spawners. Ah, peut-être qu'il faudra que je retourne dans le premier pour détruire tous les spawners. Faut direct sauter. Par contre, on voit rien. Que ça sert à que dalle. Ah. Du coup, shaders, non. L'eau est comme ça normalement avec ce pack. Hein, donc, c'est pour ça que je disais que ça avait fait de gros changements. Mais il spawn, mais il tombe, ça sert à rien. Enfin, à part si moi je tombe. On allait sûrement pas avoir grand chose. C'était pas possible. Coucou. Bougez pas. Il y en a encore un là-bas. Là, il y a un coffre. Un spawner à côté, ça va être chaud. Oh non, ça va. Oh, ça va. Ah, je suis tombé. Non, c'est là. C'est quoi tout ça? Putain, je l'avais le coffre. Et vu que j'ai des. Je me suis enlevé du mode. Du mode. Protection. Enfin, accroupi. Bah du coup, ça m'a fait tomber. Hop. Quand j'ai vu qu'il y avait le levier. Ah. Oh non, tu es sérieux? Me touchez pas. Il y a tellement de bruit de zombies qu'ils se mélangent. J'allais détruire les spawners avant. Oh, mais oui, bien sûr. Oh là là, que ça va être chiant. Oh non, mais...
J'ai tous les faire sortir. Voilà. Il y en a qui crament pas. Ah si. Contre le cactus. Aïe. Ah non, c'est pas bon. Ah non, mais sérieux. Bon, je vais m'éloigner un peu. Voilà, là je peux sauter tranquille. Ah, lag. C'est la technique en fait, les faire cramer. Mais putain, j'en ai marre de ce saut qui me faille là. Il y en a déjà un qui est spawné. C'est le jump fail celui-là quoi. Ah voilà, c'est bon. Ok. Oh non, putain. Ça m'énerve parce que j'appuie. Mais en fait, c'est il compte comme si je l'avais appuyé alors que j'étais déjà en l'air. Du coup, ça fait rien. Alors qu'en fait, j'appuie vraiment avant. Ouh, voilà, j'ai pas fail ce jump. Je peux le casser d'ici, non? Normalement. Oui. Hop. C'est toujours plus facile de revenir en arrière. Vu que ils sont plus bas. J'y suis déjà allé là. Bon, tant qu'à faire. Hop. On ne voit rien. Oh mais putain. Je vais faire des coupures, je sais pas. De toute façon, c'est pas très intéressant. En plus, je vois pas les plateformes, du coup, c'est chiant. Enfin, je vois à peine, waouh, à peine où c'est, quoi. Mais il en reste plus qu'un. Allez, ça peut se faire. Oula, il spawn. Oui, ça se fait, c'est bon. On va aller reprendre le coffre. Oh, putain, c'est bizarre. J'arrive pas à le choper le coffre. J'arrive pas à le choper. Je crois qu'il manque un bloc en fait. Parce que si je le chope, après je tombe. Donc tac et tac. Level du temple numéro 1. Cool. Hop. On va remettre vite fait le truc, voilà, c'est beaucoup plus beau. Moins lumineux mais plus beau. Enfin très lumineux mais plus beau. Hop, voilà, ça détruit pas les yeux. Je pense que le dernier est par là-bas. Ah tiens, il y a beaucoup de lave là. Ah, il y a du jump. Ouais, la prochaine fois. Ah, c'est la porte pour la prochaine région. Je pense. Ah voilà. Quand je cherche un truc, je le trouve quoi. Ouais, il y a du jump là-bas. Alors.
Quand vous... par contre, ça sent encore le noir, donc hop. Alors, quand vous entrez, enfin quand vous rentrerez, vous devrez trouver le levier pour sortir. 4 spawners. Po, po, po. Aïe! Putain, il y avait deux spawners à côté de moi quoi, quand je suis rentré. Le squelette en plus. Il n'y avait pas de 4 spawners, il y en avait 5. Hop. Levée du temple. Levée de sortie. Voilà, levée de sortie. Bon. Ah ah. Ah ben. J'aurais pu rester dedans. Juste pour lire la fin. Un bug de chunk, ça je pense. À moins que, bon, je sais pas. Des bouts de slime. Bon. Je vais lire la fin. Non, pas ça, ça va bugger sinon. Alors, après avoir détruit les spawners des 3 pyramides et avoir ramassé les 3 leviers du temple. Félicitations, aventurier. J'ai trouvé 3 leviers magiques dans chacune des pyramides. Je connais les énigmes que possèdent les templiers avec leurs portes magiques. Ces leviers permettront d'ouvrir logiquement les portes de la zone du temple. Eh bien, retrouvons-nous là-bas. Allez ouvrir les 3 portes. Un ancien campement était derrière ces portes magiques. Désolé, nous pourrons nous y abriter. D'accord. Quoi? Il est où le levier? Oh, il a pas détruit mes torches. Ah bah oui, on peut pas détruire de blocs. Ok. Donc je pense que ça sera là-bas. En tout cas, c'est la fin de l'épisode, j'ai envie de dire. J'espère qu'il vous a plu. Laissez un petit j'aime et un commentaire comme d'habitude, ça me fait plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!